dirais que ça a mis un peu plus de lumière. Je pense que les collectivités étaient déjà sensibles à ce sujet. C'est des gens qui sont passionnés par ce sujet, qui ont une certaine envie d'améliorer les choses. Mais je dirais que ça donne peut-être plus de moyens. Le plan eau va leur permettre d'avoir un peu plus de moyens également. Les agences de l'eau vont peut-être plus aider ces collectivités. On aura, nous, les jeunes entreprises, on aura aussi plus de lumière pour communiquer et présenter ce qu'on fait. Clairement, cette succession nous rappelle que voilà, les échéances, l'enjeu, il est fort et qu'il faut trouver des solutions sur le court terme. Ça, c'était un enjeu fort de la création de Liquitide. On a mis 3 ans de R&D. L'idée était très simple, c'est que les plus affectés par ces problématiques sont des petites collectivités. Il ne faut pas qu'il y ait une France à deux vitesses où il y a des grandes villes qui s'en sortent, des petites villes qui ne peuvent pas. Nous, on a donc construit une base de données qui a près de 600 000 fuites. 600 000 fuites, c'est un peu l'équivalent des fuites de la France pendant 6 ans, sur 300 000 km. Et tout l'enjeu, c'était de pouvoir entraîner un modèle et de pouvoir arriver sur des territoires et leur proposer notre solution sans qu'on ait à entraîner sur leur data qui n'existe pas. Donc on a vraiment fait ce travail de fond. Parfois c'est contre-intuitif et difficile à expliquer aux collectivités, mais c'était l'enjeu de prendre le temps de construire une base de données sur laquelle on va apprendre et être en mesure de faire en sorte que cette IA soit transposable. Et juste pour vous donner une anecdote, on a travaillé en Polynésie où on avait des fichiers Excel qu'on a dû regrouper et on a pu faire des prédictions assez performantes. Clairement, malgré le fait qu'on avait la data, l'accumulation de la diversité de réseaux, le fait d'aller sur le terrain nous permet d'aller encore plus vite. L'année dernière, il nous fallait 2 semaines pour analyser la data, traiter les données. Actuellement, on le fait en 1 semaine. Et maintenant, on met aussi à disposition un jumeau numérique d'aide à la rénovation. L'année dernière, on était focalisé uniquement sur la fuite et la performance de la distribution. Là, on prend en bas une étape supplémentaire qui consiste à pouvoir faire des recommandations sur comment allouer ce budget, avoir un taux de rénovation utile et non pas juste un simple taux de rénovation. Donc on a vraiment accumulé de l'expérience qui nous permet d'aller plus vite à la fois sur ce qu'on faisait l'année dernière, le court terme, et maintenant on se projette sur le moyen terme pour l'aide à la rénovation.